Collectif Touche pas à ma commune 3 était au cœur d'un point de presse ce vendredi 15 octobre 2021 à Bamako. L'objectif demandait aux autorités de reprendre le travail des restitutions qui, selon eux, étaient illégalement faites. Nous voulons montrer à l'opinion nationale et internationale que nous ne sommes pas d'accord avec ce travail de restitution. Nous sommes des musulmans, la majorité des Maliens sont des musulmans et c'est comme ça que ça fonctionne. Nous sommes organisés par commune. La commune qui vient d'être réduite de la commune 3, c'est comme si on coupe la tête d'un serpent et on aura qu'une corde. L'objet, comme vous l'avez entendu tout à l'heure, il est clair et précis. Hein. C'est tout simplement d'étaler au grand jour le système, bien évidemment, d'Oldop, qui avait été tenté, bien évidemment, par le gouverneur et par, bien évidemment, les familles dites fondatrices, en violation, bien évidemment, de l'ensemble des lois en vigueur sur le découpage territorial du district de Bamako 1. Et deuxièmement, en violation du rapport, c'est-à-dire les rapports de la commission qui a travaillé sur le découpage. Dans les rapports, bien évidemment, final de cette commission, il est ressorti noir sur blanc qu'à Bamako, ici, il n'y a pas eu de requête. C'est-à-dire qu'aucune commune n'a demandé, pendant tout le travail de la commission, aucune commune n'a fait une demande quelconque relative à un rajout ou bien évidemment à un legs ou bien à un don à une autre commune. À partir du moment où la ville de Bamako est considérée comme néant dans les rapports finaux de la commission en charge, nous avons été surpris, c'est-à-dire ébahis, de voir pendant la restitution du gouverneur aux autorités administratives et coutumières de la commune 3 que le centre commercial, par magie, s'est retrouvé bien évidemment en commune 2. Nous ne savons pas comment, ni par quelle magie. Mais nous sommes venus tout simplement demander aux autorités de reprendre ce qui a été fait. Pour rappel, la commune 3 est le centre administratif et commercial de Bamako.